Combien me coûte le plein, les gars? Je vous montre direct. Salut les amis. Du coup, c'est le matin, j'ai une petite course à aller faire. D'abord, on va passer à la pompe parce que on est à sec là. Donc du coup, comme je disais, on va reprendre gentiment les vidéos de moto tranquillement. Ça fait plaisir quand même. Donc je prenais souvent habituellement la moto. Mais plus pour faire des vidéos parce que c'était plus pour du trajet et puis pour aller faire les trucs essentiels, on va dire. Mais là, du coup, on fera gentiment refaire pas mal de trucs. C'est bien, pas mal de virées, j'ai des trucs prévus. Enfin, si après avec le coronavirus et tout ça, ça se stagne plus ou moins, parce que voilà, c'est un petit peu... vide les rues, mais on va toujours trouver à faire quelque chose, il y a toujours moyen. C'est un peu, voilà, obligé, hein. Putain, la soif, ça fait un moment, l'autre fois j'étais à Genève et tout ça, et voilà, elle m'a sifflé le plein, mais bon, j'ai roulé pas mal du coup, donc c'est logique. Quelle station je vais aller? Un petit peu de vent aujourd'hui. Bon, il faut vraiment aller. Puis des vidéos prévues avec Carlos. Que c'était prévu depuis longtemps, mais la saison elle était finie. J'ai quoi encore? J'ai un pote là qui m'a récemment contacté, qui a une rune. Enfin, il y a plein de trucs à faire où je pourrais même la tester sûrement. Il y aura une partie 2 avec l'Harley à mon père. Enfin, il y a plein de trucs à tester, tu vois. Des scooters, des trucs, on verra. On verra des balades, des petits endroits à vous montrer sympas. Donc il y a moyen de faire faire bien. Ok. Combien me coûte le plein, les gars? Je vous montre direct. Neuf, dix, douze. Non, mais on est pas assez. Faut plus. Là on est bien. 16 francs. Ça va. Ça là les gars. Et puis voilà, sur ma chaîne principale des vidéos de moto. Et puis sur mon face et tout ça. Plus des autres trucs. Un petit peu comme avant, en mode confiné, où on raconte des trucs et tout ça. Du coup, on va payer.
parti. Ah, puis je ferai une vidéo en mode... je suis tombé là vite fait, je sais plus quand, il y a un petit moment là, mais vite fait, léger, tu sais, je me suis fait un peu mal au genou, il y a une petite marque là, je montrerai un petit peu, j'expliquerai, puis voilà, ça remet un petit peu, quand on fait un peu le con, on fait un peu trop, tu vois, le problème avec les motos assez vite, c'est qu'on prend assez vite confiance, et puis il faut pas, du coup voilà, j'ai rien de grave, tant mieux, et puis... Puis voilà, on va voir si la casquette elle est bien attachée, nickel, et puis on y va. Oh, j'ai déjà les doigts gelés. J'aurais dû mettre les autres gants. Et puis heureusement quand je suis tombé en fait, je suis tombé de ce côté, tu vois. Et le pot il est de l'autre côté, heureusement. En plus ça faisait genre 2 mois que je venais de l'acheter. Oh là là, imagine je l'aurais cassé. Putain, en plus ça coûte une blinde et tout. Ça m'aurait fait tellement chier et tout, oh là là. C'est pour ça, faut rester tranquille. Bon là, si vous n'avez pas reconnu, pour certains, on est à Cossonay. Cossonay, Pontala, pareil. Puis il y a du vent, oh là là, il y a trop de vent. Trop de vent. Donc j'arrive bientôt pour faire ce que j'ai à faire là, un petit truc sympathique vite fait. Je suis arrivé bien en avance. Mais c'est toujours mieux d'arriver en avance, les gars, qu'en retard. On y est. Il y a beaucoup de fond, hein. C'est ouf. Toc. Destination, arrivée. À la prochaine, le petit like les gars, l'abonnement, ça me ferait super plaisir, et le petit commentaire, ciao.